Mais c'est tout sale. Faut le coller là, non? Non, 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 il faut le coller là. Oh. Vas-y, essuie. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle est sale, cette voiture. Allez, et colle le doigt. Regardez ce que je colle sur ma voiture, s'il vous plaît. Des bulles. Mais non. Mais si, regarde. Vas-y. Okay. Vas-y, par un. Voilà. Ah, là. Là, là. On s'en fout qu'il y ait des bulles. Là, là, j'abuse. Non, non, là, t'abuses. Ouais. Va l'arracher, va l'arracher. Mais non. Va l'arracher, les enfants. Arrête de me prendre pour une égarée. Alors, je peux Parce vous dire... Parce que là, t'as ta vie entre mes mains si je veux te faire mourir. Je peux vous dire que je me chie dessus, mais bien comme il faut. Tissène fait la conduite supervisée. S'il y a des bulles, merde, merde et merde. Il y a des grosses bulles même. C'est bon. Allez, c'est bon, on s'en fout. Allez, on y va, on y va. Non, parce que là, on va à Toulouse, on en a pour 2 heures. Allez, Nigo. Oh non, mais franchement, jette-moi ça dehors. T'as cru que j'étais la poubelle dans la voiture, franchement? Non, mais regarde-moi. Poupe. Non, mais regardez. Ouais, par contre, j'ai pas de rétro pour regarder derrière, moi. Pourquoi? T'en as besoin? C'est moi qui conduis, non? On dépêche-toi là avec tes barrettes, tu les remettras là-bas. C'est ce que je voulais dire. Regardez comment elle est avancée. Et alors? Ton genou ne tient pas là, il fait pas mal. Non, j'ai des petites jambes moi. Allez, règle-toi le fauteuil, Tissène. Règle. Règle-toi le fauteuil. Déjà, t'es trop basse, madame. Attendez, déjà. Déjà, les enfants, je vais mettre ma ceinture. Moi, je vais mettre ma musique. Il n'y a pas une autre ceinture que je peux m'attacher à l'autre côté? Il me faut. Et quoi, tu vas mettre ta musique? Attends. Tu vas mettre ta musique? Non, mais attends. Celle qui conduit est roi. Non, non, non. Déjà, il y a les droits d'auteur. Alors, il n'y a pas de musique. Et en plus, il faut que tu regardes la route et que tu écoutes. Mais oui, mais il faut que t'écoutes le superviseur. Faut que t'écoutes la musique. Et quoi, il fait mal ton siège gratte. T'inquiète, on va pas me... T'as réglé les rétroviseurs? Non mais déjà tu vas te calmer. Ah attends, les rétroviseurs ils se règlent pas automatique? Si, mais il faut les régler à ta truc. Mais comment on fait? C'est pas pareil à l'auto-école, donc comment on fait? Regarde Shine, il regarde. Ouais, c'est moi, j'ai mis sur droit et maintenant? Eh bien sur tu tournes maintenant. Avec quoi? Le bouton. Hein? Attends, fais voir où tu l'as mis. Non, là tu l'as mis au milieu. Là tu l'as mis au milieu. Ouais, là. Là. Maintenant tu tournes le bouton. Ça change rien du tout. Vas-y, vas-y. T'as regardé si t'avais le point mort? Y'a rien du tout qui tourne. Démarre la voiture. Faut appuyer sur l'embrayage pour la démarrer, la mienne. Oh putain, mais c'est quoi cette voiture de merde? Jamais de ta vie t'auras une voiture comme ça déjà. Hein. Toi, tu vas avoir une 205. Hein. Ça marche pas. Mais si, je dois bouger. Et comment tu fais pour... Attends. Je suis coincée. Attends, mais je suis coincée. C'est bon ça? Je te jure qu'il bouge pas. Oh, c'est bon, coupe. Ah, ça y est, ça a bougé! Ah, ça a bougé. Non, c'est pas. Non, mais c'est pas possible. Elle avait. Mais pas... c'est trop compliqué comment on bouge ton rétro aussi. Ils veulent pas faire plus compliqué la prochaine fois. L'autre. Allez. Ah. Non, tu te cesses. Oh là là. Et en plus, j'ai pas de pédale pour freiner. Attendez, je me rattache parce que je me suis désattachée. Il n'y a même pas de poignée à l'arrière. Comment je fais pour voir mes repères? Quel poignée? Moi, je me sers des poignées de l'arrière. Ah non, mais attends, tu te sers du fin fond du coffre. Okay. Genre du fin fond du coffre? Ben, faut que tu voyais la route, quoi, derrière. Ah, mais c'est bon. Hein. Non, juste lui, quand même, je suis prise. Je regarde, je vois plus la voiture comme je regarde. Oui. Est-ce que tu vois le portail quand tu vas reculer? Ouais. Bon. Le rétro du milieu. Bon, je vais me servir de ça avant qu'on me rétro parce que. Non, mais ça va, je vais pas mourir. Ah elle, non, mais elle est trop écoute-moi sûre d'elle. Écoute-moi bien, si on meurt, c'est pas grave. Elle est trop sûre d'elle. Oh là là là, non, mais je te jure, je suis stressée. Pourquoi? Attends, j'ai pris mon téléphone. Allez, portail déjà. Ceinture, oui. Tu es attachée, madame? Vérifie que c'est bien attaché. T'inquiète, je suis bien attachée, oui. Tu mets le bras par-dessus. Oui, c'est vrai, c'est toi qui conduis. Je mets le bras par-dessus. Merci.
Oui, mais là, tu m'étrangles si j'ai un accident. Je coupe le cou. Eh bien, coupe le cou, c'est pas grave. Moi, tu seras moins morte que si t'es... Non, mais elle est déjà démarrée, la voiture. Oui, non, mais je regardais si mon embrayage, il était bien, en fait. Et par contre, il faut ouvrir le portail pour sortir. L'air. Elle est où, la marche arrière, là? Ouais, ça va. Ah oui, pour la marche arrière. Alors, la marche arrière, t'as dit, faut appuyer, toi. Comme ça. Voilà. Non, mais il faut appuyer sur l'embrayage aussi. Oui. Ah. Elle va me casser la vitesse! Comme ça? Oui, non, mais là par contre, ouvre le portail parce que tu vas pour mettre la première, il faut juste que je pousse comme ça. Oui, là, voilà. Je suis en première. Oui. Là, je suis en deux. Oui. C'est pareil après. Non, t'es pas en trois là, t'es revenu en première. Voilà. Si, j'étais en trois. Non, il faut venir point mort pour faire le trois. J'étais en trois. En pleine égarée. Voilà, on va à un événement sur Toulouse. Si on y arrive! Si on y arrive, les enfants! Croisez les doigts pour nous, si j'ai mis cette vidéo en ligne, c'est qu'on est arrivé à bon port. Si elle a t'as ouvert le portail? Si elle a pas mis en ligne, c'est qu'on est mort. Par contre, tu passes par là-bas. Hein. Ah non, on va à Toulouse. Oh putain, oui, tu passes par là. Bon, arrête, parce que vu que t'es stressée, je suis stressée. Bon, allez, on va laisser la vidéo et je filmerai de temps en temps parce que là, faut que je surveille la route. Tu sais, tu disais quoi? Qu'à l'auto école, tu peux pas faire quoi? Je peux pas faire. Je tu regardes la route, tu es rigolé. Je regarde la route, maman. Bon, pour l'instant, ça. Non, maintenant, tourne dans le champ. T'as regardé? S'il y avait rien qui arrivait? Oui, allez, regarde. Hop, là, je mets le clignot. Bon, pour l'instant, ça va, on n'a calé que deux fois. Alors, attention, on arrive à un rond-point, Tissène. Dans un rond-point, là. Là, il faut que j'aille où? Voilà, Toulouse. À gauche. Et où ta gauche? Anticipe, y a rien. Allez, oui. Avance, y a rien. Allez, on y va. Allez, on anticipe. Voilà, vas-y, n'aie pas peur de lui, avance. J'ai pas peur de lui, hein. Bon. Il est juste qu'il reste à sa place, sinon je le tue. Elle est facile à conduire ma voiture ou pas? Je sais pas. Mais en fait, moi, ce qui me stresse, c'est que ta voiture, on arrive moins à savoir quand on change les vitesses. Ah bah oui, c'est avec le moteur qu'il faut le savoir. Ouais. Bon, allez, je vais surveiller la route, à tout à l'heure. Bon, les enfants, tout s'est bien passé jusqu'à la dernière seconde. On a failli se prendre le poteau là derrière. Le poteau Mercedes, le mec il a halluciné. En fait, elle a voulu accélérer, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Non, en fait, elle m'a pris dépourvue. Elle m'a dit c'est là. Et moi, je savais que j'allais continuer tout droit. Donc, du coup, j'étais en troisième. Fallait que je passe en deux. J'ai laissé le pied embrayer. Du coup, j'ai pas lâché l'embrayage. Du coup, j'ai freiné à fond. On a calé tout. Personne n'a vu dedans, y'a que lui. Hein. Bon, on est arrivé chez Mercedes. Regardez. Mais imagine juste, on se prend le poteau devant chez Mercedes. Oh. Quelle honte. Ouais, bah, oui. Bon, on y va, allez. À plus tard. Vas-y, regardez ce que j'ai fait. On va pas être dans la cité même. Petit fromage blanc. Tu sais, on a pris du petit fromage blanc. Elle rajoute un petit peu de granola. Ensuite, tu vas rajouter. Une ferme qui s'appelle la Borida. Où on fait du camado, du coup. Et voilà. J'adore les fruits. On est en train de rénover parce que bon, il était dans un état. Je vais m'y tenir. Je sais pas si j'aime ça. Mais oui, c'est trop bon ça. Ah ouais? Mais de passer d'un avant à après. Elle a fait un petit topping, elle est contente. Et ça c'est du sirop d'érable et ça c'est du miel. C'est chouette parce que les banques nous suivent dans ce plan d'investissement de rénovation. Donc c'est top. Okay. C'est on est vraiment contents. En plus là, Toulouse avec Initial, ça se passe très très bien. Ici, la conductrice qui a failli faire un accident. Pourquoi tu bloguais pendant ça? Non, mais j'ai dit. Comment je fais pour tourner pour te filmer? Oui, tu restes avec moi, tu vas filmer. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Voilà, ça prend les mêmes en. C'est sec. On va essayer de le faire, voilà, comme ça. Comme ça, tu vas l'avoir en direct. Tu es droitière ou gauchère? Droitière. Donc, c'est avec la main gauche? Non, droite. Ah, ok. Ah, oui, c'est là. Voilà. Non, c'est là. Hop. Je prends ta paume de main. Et on y va. Donc l'idée c'est de se retrouver au-delà de 50 unités mesure, donc là, d'accord, voilà. Après le vert. Après le vert, voilà. Mais là tu m'as l'air d'être en bonne santé? Ouais. En bonne santé, je sais pas, mais en tout cas, en termes d'antioxydants, tu es ton taux de caroténoïdes, on va dire, est en. Super score, génial, ouais. Bravo. Je peux t'enfermer? Oui. Bon. Quoi? Je fais bien de bien manger alors.
Tu manges quoi? Je fais bien de bien manger. Du coup, je sais pas si vous avez reconnu, il y a Aurélie Preston qui est venue nous rejoindre. Voilà, qui se fait photographier après nous. On a fait des photos, maintenant c'est aux autres. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est ça? Regardez maintenant, elle veut pas qu'il voie ma tête. Ah bon, elle veut pas que vous voyez sa tête. Là, on attend Aurélie, Camille Nesrine. Et Nesrine, qu'elles arrivent. Attendez, elles sont là-bas. Elles sont là-bas, regardez. Elles sont là-bas. Elles sont là-bas, regardez. Elles font les stars, elles arrivent comme des stars. Regardez-les. Hein, pas contente, Nesrine. Bon. Bon, mais nous repartons. Alors, oui, je vous expliquais ce qui s'était passé tout à l'heure, à l'arrivée. Donc là, nous repartons. Nous avons oui, je suis une pilote. Voilà. Oh, trop pilote tellement qu'elle a fait nous tuer. Regardez ce qu'on a eu par Mercedes. Une jolie petite rose éternelle. Trop mignonne. Et des lunettes de soleil, s'il vous plaît. De la lunette de soleil de la mort qui tue. Voilà, donc là on rentre à la maison et puis ben, je finirai le vlog tout à l'heure. Hein. Je finirai le vlog tout à l'heure, Bon, parce que là il faut que je suive la route parce que là il pleut. Et puis voilà, allez, tout à l'heure. Bon, je refilme pour la 21e fois parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me dérange ou alors il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Donc nous sommes rentrés, nous sommes couchés. Nous sommes démaquillés, nous avons mangé, on regarde un film. Donc là, je vais faire le montage vidéo parce que je suis fatiguée. Je me répète, hein, à chaque fois, je dis la même chose. Mais oui, ça fait 21 fois que je filme. Je suis fatiguée, je me suis levée à 6h parce que j'ai eu très mal au ventre. Voilà, c'est pour vous dire ça. Du coup, voilà pourquoi je suis fatiguée. On dirait pas une mongole qui parle. Bon, allez, je vais pas m'éterniser parce que je sais plus ce que je dis. Donc, je suis vivante. Tiziane aussi, elle m'a juste arraché la jante. Je vous le dis. Elle m'a arraché la jante avec un trottoir. Voilà. Donc, voilà. Tu vas conduire quand la prochaine fois? Mardi, non? On verra. Parce que la nuit, merci, quoi. Bon, allez. Ciao. Bisous. Bye, bye.